Eh bien, bonsoir! Bienvenue dans la confrérie des Roquignols! Aïe, 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 aïe! Nous sommes, là ce soir pour se faire le petit boss final, le trio. Twigo. Attention, ça porte la confusion ce que tu dis. Et. Wayeyo. J'ai déjà dit. Twigo, Taizu, Wayeyo. Taizu, voilà, celui-là. Il l'avait pas trouvé. Donc on a la combinaison et toujours pas celle de Twigo. C'est dommage, oui, parce que Wayeyo, techniquement, si vous faites pas de PVP, vous l'avez pas. Ou enfin, il fallait faire une fois un PVP pendant une saison particulière. Surtout pendant... très haut. Oui, mais c'était une saison, il n'y a plus jamais eu après. Ah oui, d'abord. Twigo, on l'a eu, et Taizu, on l'a eu, ouais. Et Twigo, il n'a toujours pas sa malheureusement. Tout le monde le voudrait bien pour la team ban, hein, pour monter un peu le CC. Ah, mais... ça pourrait aider. Enfin bon. On n'est pas là pour vous montrer comment faire du point, parce que assez de vidéos le font. Hein, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a refait, tout le monde a scoré. On est là pour vous montrer comment les balancer en auto et ramasser les petites médailles pour acheter tout ce qu'il y a dans le shop. Voilà. C'est pas comme parce s'il que, était... Bon, c'est pas très dur à avoir. Bon, voilà, non, et c'est pas comme s'il était à 1%,5, hein, 0,5 hein, quand même. Non, mais bon, voilà, j'ai même pas vu les vidéos, mais voilà, c'était plutôt logique. Mais en regardant les vidéos, vous serez assez facilement... Au 2200 minimum. Ouais. 2200 minimum. L'idée étant d'être au classement. Non, c'est pas le classement. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est. Si, c'est le classement. Classement hein. Et c'est récompense. Récompense, voilà, c'est ça. C'est au-dessus de 30%. Non, au-dessus de 50%, c'est le but. Oui, parce que, bon, ce qui vous voilà. Au moins là, j'aime. Parce que les 30%, vous voyez, c'est 10 pierres de... pour un stuff. 10 pierres c'est et 10 marteaux. Et ouais, les marteaux, mort, bon ouais. Dieu. Au moins 30 gemmes, ça c'est vraiment intéressant. Ça 35 gemmes de fin. Faut dire ce qui arrive quand même dans une semaine. Hein, la collab de slime, c'est vachement intéressant. Et ça va coûter. Donc hein, la moindre gemme est intéressante. Ouais. C'est plus intéressant. Enfin, au-dessus au moins de 50%. Voilà. Mais ça, les vidéos, il y en a plein. Allez en voir. On n'en a pas fait nous, personnellement. Mais voilà, allez voir les autres. C'est on va pas faire du blond. Pas maintenant, hein, partez pas tout de suite. Si, ils sont déjà partis. Oh non. Revenez. Mais voilà. Oh, bon, c'est un fou, ils ont donné la vue. On est juste là pour vous montrer une vidéo où vous pouvez récupérer juste les jetons voilà. De base pour acheter tout ce qui est là, que j'ai remonté il y a 10 secondes. Ouais. Voilà. Donc, la preuve, j'ai tout acheté, donc c'est pas un problème. Pour aujourd'hui, je suis déjà à zéro pour autant. Encore des choses à acheter demain. Oui, mais oui, parce qu'on peut pas tout acheter, parce que par saison, il y a deux et par jour, il y a un. Donc, voilà, juste ramasser les points. Vous mettez le GSM en auto. Avec une équipe, hop, vous faites autre chose et vous revenez, vous allez prendre. Ça prend 2 minutes, vous allez boire une petite boisson, vous regardez une vidéo, vous revenez. On va lancer, on va boire un petit verre entre temps. Bon, on lance l'extrême, ah oui, hein, c'est qui ramasse le plus de points. Sinon, vous pouvez en lancer plus bas, mais ce sera plus. Voilà, allez hop, c'est parti. On est parti sur une équipe pas spécialement payante, hein, le Gotter rouge, techniquement, vous devriez l'avoir au moins ramassé, sinon. Lâcher dans le shop. Si c'est pas le cas, allez le chercher, il est plus qu'intéressant. Non, hein, ils l'ont avec le bonus de connexion. Toute personne qui démarre l'ont une même, fois. Si c'est pas le cas, il est dans le shop. Avec oui, mais je te dis, ils l'ont avec le bonus de connexion. Ouais. Ils l'ont au moins une fois. Ça suffit. Voilà. La danne verte. Elle est donnée. Avec les petits quais, les pulls. Voilà. Matrona bleue, pareil. Elle était offerte à l'époque. Maintenant, vous devez. Les pulls dans la bannière avec les tickets SSR. Voilà. Attends, je suis pas sûr. Attends, vu ses stats, là, son armure. Ah oui, on s'en fout. On s'en fout, j'avoue que le stuff n'a pas grande importance. Vous et avez des spears pour aider un petit peu à faire un peu plus de crit. Ça peut être n'importe quoi, le quatrième n'a aucune importance. Voilà. Là, on booste juste un peu l'attaque. Regardez, voilà, il est 90, 80, 80, même pas full éveillé, on s'en fout. On a un CC suffisant pour attaquer. Oh, largement. On prend pas de bouffe, non, on s'en fout. Pas besoin. On balance. En fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette team-là? C'est parce que, un, Diane Verte peut par hasard enlever les postures, Matrona peut par hasard enlever les buffs, et Gotter booster les deux. Fait booster. Et s'il prend pas de dégâts personnellement, il booste en plus de 15%. Ce qui fait que, je vous avoue en auto, en laissant comme ça, j'ai déjà fait du 2800 sans rien toucher à quoi que ce soit. Allez, je vous laisse la vidéo juste pour le plaisir. Et avec du 2800, vous dépassez les 30% actuels. Voilà, c'est tout. En faisant du loto. De rien. Et là, on ferme juste du point. C'est même pas le problème. Et nous allons, je le laisse et faire en auto, et nous allons parler pendant ce moment-là de ce qui arrive avec... Je clique au moins sur auto, parce que... Ouais, mais je te laisse faire. Quoi, caméra, je mets les gars. C'est pour, c'est simplement ça. Ah, bah c'est mieux, non vu les géants, oui, c'est mieux. Tu fais ce que tu veux. Allez hop, auto, c'est parti. On va voir ce qui se passe, là, je suis du santé.
Santé. Ah, mon verre, c'est tout ça. On voit pas la même chose en même temps. Donc en fait, on vous propose ça pour farmer les points parce que bah, dans une semaine arrive Slime et ça va vous coûter bonbon les enfants. Voilà. Et faire des points, voilà, ils prennent rien. Non, c'est pour ça que je dis, c'est un vieux boss. C'est un vieux boss qui a, ah oui, qui a un an et demi. C'est la troisième fois qu'on l'a hein, déjà. Oui. C'est comme quand tu vois le boss Gila et Jericho, tu les sens de tôt. Hein. Je l'ai vu deux fois, je crois. Oui, il n'a apparu que deux fois. Voilà, ils attaqueront déjà pas là. Voilà. Hop là, on les attaque. Blah! Il y a plus de Taizu. Voilà. Et en fait, pour Slime, chers amis, bah, si vous voulez aller chercher tous les persos, j'ai pas envie de vous l'annoncer sévère, ah, mais... Bah, soit il faut une grande chatasse, ah ouais. Ou alors il faut un paquet de chats. Hein. J'ai vu des gens avoir beaucoup de chatasse. Persos, ouais. Mais bizarrement, il t'en manquera toujours un sur les cinq. Hein. Il y en a ouais. Deux qui sont offerts. Tu as le SSR Rimuru, la goutte, on va dire. Je pense qu'il y a un... Ouais, il va. Ouais, laisse faire. C'est marrant, Il y a le SSR Rimuru bleu qui est proposé, l'espèce de temps. Et il y a le SR Rimuru que tu peux avoir 6 sur 6 en faisant toutes les quêtes et tout le blabla. À ne pas sous-estimer. En même temps, c'est le but, hein. Si tu fais pas un petit peu l'histoire d'un jeu qu'on te propose, oui, je sais mais... pas, quoi. Voilà. Oh, du nom. Après, oh, bah... le gâché, quoi. Il y a 4 autres persos que vous allez aimer, c'est encore un autre Rimuru le vert qui est proposé en mode... bah, faut suivre un peu l'histoire, le les enfants. Hein. Le Rimuru en petite boule slime. Il y a la version humanoïde. Et puis il y a une autre version mêlée. Voilà, mais c'est la version Seigneur Démon. Voilà, oui. Okay, sur la fin du manga. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, on vous invite à aller regarder. Bah, oui, pour comprendre. Vous saurez, ce qui vous attend. Il y a Bilim qui est de l'ancienne bannière qu'on vous invite chaleureusement à au moins avoir une fois. Sinon vous allez le buff de Gotthard. Oui, mais voilà, c'est ça qui va s'amuser tout seul. Ah, bah enfin, c'est ça que je t'ai dit. Qu'est-ce faire ? C'était temps. Ouais, il en faisait pas depuis deux tours, quoi. Et donc en fait, il y aura Benimaru. Il est bien, mais il est pas utile. Par contre, Bilim. C'est une queue. Si vous trouvez Escanor qui tape fort, croyez-moi, Milim, c'est deux fois Escanor. Hein. Parce que si elle crit, elle vous dépop un perso, mais ouais. Violent. On vous sort pas ça de notre notion. Hein. Non. Ça vient de la version japonaise. Hein. On s'est renseigné, on a regardé. Hein. On n'est pas à la bourre non la plus. Vache, hein. Il a carrément. Il va faire deux fois. Et Rimuru Vert, si vous aimez faire du PVP, bah, vous avez un remake sur son ultime de King Bleu. Blah, le et sur son mono cible, en fait, il est monstrueux parce qu'il vole les buffs adverses et se booste lui-même. Donc, c'était ce que tu voulais un peu à un moment, un perso qui bouffe les buffs des bah autres. Ah oui, bah il n'y avait pas encore. Bah voilà. Qui bouffait les. Oh ouais, mais désolé. En fait, tellement rien qu'il passe en écho. Je vais enlever ça après. C'est la canobie, attention, ils vont passer en. Non, mais ils seront morts avant le prochain mode écho. Ah bah oui, attends, c'est quoi la grosse frappe de Diane là? C'est pas l'anti-stance? Il la fait même pas! C'est ridicule. Allez, il va faire défoncer. Oui. Elle a une frappe dorée, il a même pas mise. C'est nul. L'IA joue quand même comme une quiche, hein. On dira ce qu'on veut, c'est quand même ridicule. Allez, fais là ta frappe dorée là. Mais fuck! C'est dingue! Ça sert à rien non plus, hein. Voilà, oui. Oui. Ah, vous voyez, mort. Enfin voilà, ils subissent, mais ça passe toujours. Par contre, ouais, pourquoi, là. Pourquoi il fait pas la frappe de Diane à droite là? T'es l'ordi. Je ne suis pas l'ordi, ne me pose pas la question, demande-lui. Enfin, ça passe, hein, c'est pas le problème. Mais voilà. Et comme tu vois, ça passe très large. Allez hop, un buff il ne sert à rien parce qu'il était déjà buffé. Et, bon. Mais... Et bim. Voilà, c'était de l'auto. Et maintenant, nous allons voir les points. Et pourtant, il faisait de la merde, hein. Et il a encore été concentré, moi je voulais lui dire. Ah non, je me dis, n'importe quoi. Et boum. Et donc. Ah, 1811 points, oh, c'est un petit peu pourri quand même. D'habitude, je fais du 2200, hein. Ça... Bah, ils ont fait de la merde. Hein, voilà, ils ont rien. Mais bon. Voilà, vous voyez que pour farmer. Voilà. À l'aise, hein, les persos. Voilà. Aucun perso mort, à l'aise. Allez, dégage. Après on a 2002. Plus de points là, je crois. On a plus de points. On a 1800, là on a un petit 2000. Maintenant soyons sérieux. 2167. Voilà. C'est déjà mieux. 2002 presque. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Enfin bref, voilà, on a remis bah, un voilà. petit truc. Juste pour montrer ça peut que monter plus haut. La team auto marchait non-stop. Voilà.
Des fois, l'ordi, il a envie de faire un truc sérieux. Et là, tu montes à du 2000. Par contre, les deux frappes dorées multi, il fait fuck. Alors qu'il fait un 500%, quoi. C'est l'ordi. Buffé par Gotham. C'est l'ordi. Je le comprends pas. Enfin, bon. Voilà. La team auto fonctionne très bien. Pour farmer les jetons, bah, vous mettez ça. Hop. Votre GSM autrement dit sur le côté, vous allez vous promener, vous revenez, mettez... Je vous rassure tout de suite, ils sont tellement nuls qu'il n'y a quasiment aucune chance que vous perdiez. Si vous arrivez à perdre, c'est qu'il y a un problème de stuff ou autre, parce que ouais, franchement, donc, l'ordi a théoriquement... Vraiment merdé. Voilà. En auto, 221 jetons. J'ai farmé des trucs au moins 40 fois, il n'y a pas voilà. Une seule mort. Et même là, en 2000, cherchant 2000, 0-0, voilà, j'ai même trop de jetons pour tout ce qu'il y a. Okay, ouais. Voilà. Comme ça, vous savez ici pour Taizu. Nous allons revenir maintenant sur une autre vidéo. Si ça vous a plu, bah, écoutez, dites-le nous. Si c'était trop long ou pas assez expliqué, faites-nous le savoir. On vous expliquera plus la prochaine fois. Comme ça, on s'améliore et on vous aide à mieux comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part d'un petit commentaire. C'est bien, c'est pas bien. Pourquoi, surtout ? Parce que c'est nul, ça ne nous aide pas. C'est bien... On aime bien, mais ça ne nous aide pas non plus. Voilà. Un soyez bouh, ça constructif. Pas non plus. Soyez constructif. Ça nous aide. Ça nous aide à vous aider. Parce qu'on fait ça un peu pour vous. Hein, parce que nous, les voilà, on pourrait faire du PVP comme certains autres youtubeurs. Ouais, mais pas être méchant. Mais voilà, on fait ça pour vous. Parce que nous, les points, on les a. Hein. Et si on fait les vidéos, c'est quand même pour vous en faire profiter. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos petits commentaires pour qu'on fasse un peu mieux ou un peu moins nul. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et on vous retrouve sur une autre vidéo parce qu'on n'a pas fini. Voilà. Ce jeu est plein de surprises et plein de contenu. À la prochaine, merci beaucoup. Tchou tchou. Salut les gens, bye.